dicho es que los venezolanos es un problema para el Perú. Es un problema para el Perú. Es lo mismo para ustedes, ¿no? Cuando miran ahí los africanos, es un problema para ustedes. Es lo mismo que está pasando. Y no solo hay venezolanos, o sea, pocos, hay 700.000 o 7 millones, creo que es. Si somos 31 millones, 7 millones, 700 millones, no, 7 millones de venezolanos, creo que hay. Casi una cuarta parte de venezolanos están en el problema. O sea, es bastante. Es mucho. En Lima peor ya, en Lima se ve bastante venezolano. ¿Fueron a Lima? O sea, ¿estaban en Lima? ¿Vieron venezolanos? Sí. 756 mil venezolanos que se ha hecho un censo que hay en Perú. Pero no se sabe si son esa la cantidad real. Puede ser que hay más. Eso es cierto. Y muchos de ellos, como no consiguen trabajo, son delincuentes. Al comienzo, para venir a Perú, no venían con un filtro. No les pedían pasaporte, no les pedían DNI o célula, ya estaban en Perú. Por eso que había huelgas peruanas donde dijeron que los venezolanos, para que pasen a Perú, tienen que tener células, pasaporte para que se queden. Y a muchos venezolanos se les está dando la visa acá en Perú. Je comprends que la gauche dans la France est très 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 bien, non? Très très bon, ça marche. Alors pourquoi? Parce que la gauche, ça dépend entièrement de le peuple, des personnes, le people, le peuple. Ouais, mais oui, ça dépend. Des lois aussi. Bon. Quand en politique, vous être le président de la nation, je suis socialiste. Elle ne va pas socialiste. Si tu es socialiste, tu ne voudrais pas être un président. Ce n'est pas simple. It's insane. Car il est riche. Ah, tu es riche. Tu ne veux pas. Je veux aller donner les bénéfices à les pauvres. Alors, il est riche. C'est difficile pour elle. Alors, aujourd'hui, il est pauvre. Maintenant, il est pauvre, vraiment pauvre. Mon papa, il a voiture. Il avait 100 voitures. Quand j'ai arrivé à l'âge de 18 ans, il m'a donné une voiture pour moi. Comme j'avais nous de milieu modeste. Ouais, mais quand comme elle est riche, elle ne veut pas recevoir les bénéfices de les gouvernements socialistes. Alors aujourd'hui, en la Venezuela, des personnes qui étaient pauvres, aujourd'hui, ils sont riches pour la drogue, quelque chose comme ça. Elle est riche, non riche, riche comme Trump, non. Comme riche, bien. Ils sont pauvres, il est ici.
Je suis ici et je joue dans la rue. Quand j'étais 21 ans, hein, j'étais ma voiture, ma maison, d'argent. Je suis. Je sens que j'allais vers le ouais. Aujourd'hui, je n'ai pas rien. Je n'ai pas voiture. Je suis étranger. Dans un pays qui n'aime pas ma nationalité, ma nationalité, des personnes m'ont dit, quelquefois, il Pablo m'a dit, tu ne parles pas comme un Vénézuélien, tu n'es Vénézuélien. Je lui ai dit, pourquoi? Parce que je ne parle pas mal, parce que je ne me vois pas mal. Ça, tu vois, c'est très difficile, parce que tous les Vénézuéliens ne se font pas. Ma personne. C'est très difficile. Imagine ta vie, tu es tout, tu es là, tu vas vers. Oh. Imagine qu'un jour, tu descends, tu as rien. Tu ne peux pas l'imaginer. Je ne peux pas l'imaginer avant. Mais c'est très difficile. Merde. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait ici. Quelquefois, je suis dans ma litre. Je suis dans ma litre et je pense. Merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi? Et tout ça, c'est pour. Les socialistes.
día nos juntamos y quisimos hacer canción y ahí surgió entre amigos. Nosotros vivimos en un pueblo, vivimos en el mismo pueblo, vivimos en el mismo lugar nosotros, a pocos minutos de hecho. La historia no es más allá que nos quisimos hacer una idea y cantar y hacer ruido, bulla. Nos gusta el ruido antifascista. Sí. No nos gusta el fascismo en nuestra vida en realidad. Tratamos de erradicarlo día a día porque nos han educado siempre bajo esa misma doctrina. Mm. El mundo es fascista. Por eso no nos gusta cómo piensa la gran mayoría de la gente. Que claro, no existe la patria, no existe, no existe la patria. Para nosotros no hay bandera, no hay bandera ni frontera. No hay nada que nos pueda separar.